Alors c'est la fête du terroir qui est organisée depuis plusieurs années. Donc là on a refait cette albanlaise animation, il y a eu un changement de présidence. Et donc on est toujours heureux d'avoir autant de bénévoles qui partagent avec nous tout le travail à effectuer pour organiser cette belle fête pour les Saint-Albanais avec le soleil. Aujourd'hui à Saint-Albanlaise, c'est un grand moment. Un grand moment de retrouvailles, de sympathie, de convivialité. Tout ce qui est proposé aujourd'hui est ce qu'attendent les habitants de Saint-Albanlaise dans le cadre de cette fête du terroir. Aujourd'hui, on est tous rassemblés pour promouvoir l'économie locale. Le vouloir de Saint-Albanlaise Animation étant de faire travailler et découvrir les artisans locaux qui soit recyclent, soit fabriquent de leurs mains, soit produisent du miel, voilà, tout ce genre de produits. C'est des moments très agréables parce que on sort un peu de notre commerce aussi, parce qu'on fait partie de Saint-Albanlaise et c'est sympa de faire la fête du terroir de Saint-Alban. Ça fait 2 années qu'on le fait et voilà. On est là pour profiter un petit peu, on est passé voir les commerçants qui travaillent avec nous du coup. Donc on travaille au Fournil du Nivolet, à Saint-Albanlaise, en boulangerie. Tout le monde est au rendez-vous de cette fête et nous en sommes, mes collègues et moi, très ravis de cet état.